parler, voilà. Parce que Will veut nous parler. Mais pourquoi vous lui avez parlé? Bienvenue à l'épisode 55. Il a parlé tout seul. Ah d'accord. Ah oui, mais il y avait la diablesque qui arrivait. Allez, lancez le dialogue. Lancez le récon. Ah, c'est déjà fait. Ah d'accord. Ouais, salut les mecs. Bonjour. Bienvenue à l'épisode 55. Il y a eu une petite... petit déclenchement de séquence là pendant le repos. Moi aussi je peux parler latin. Bonjour mesdames. Orc, Ido, Clastus. Putain, j'ai l'impression d'être au cours de latin. Pareil. C'est le cas de lire. J'ai de sauvegarde d'arcane raté. Ah là là. Oui. Et si vous me présentez vos amis? Oh ouais. Cirrus, arbiters for the house, exemplars of justice. Your parasite links with Will's, and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock, and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters, infernos contractos te vocamus, infernos contractos te vocamus, infernos contractos te vocamus. On peut juste les buter sinon. Your contract, Will, signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. A life for a life. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Will Ravenguard. A choice is before you. Option one. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option two. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand. And Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole. Choose. Oh là, c'est réponse 5. Oh la réponse 5. Faut laisser la place à la jeunesse. Hein. Eh oui. De toute façon, il a un parasite dans le crâne, son père. Voilà, c'est pas comme si nous on était tout, ah ouais, tout bio. C'est, hein. C'est qui son père? L'ancien duc. Le mec qui s'est fait retourner le cerveau devant le. Avant le boss. Celui qui a intronisé Gortash. Ah, le gars avec sa grosse épée là. Ouais. Father. Do it. Break the pact. En même temps, elle a précisé sauf le mal qui sera fait par ton propre groupe, ça sous-entend qu'on allait devoir le maraver. Quelle saleté. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? Mais déjà mort. I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ah mais génial ce perso, il est génial. Et du coup là, si tu joues Will, il est plus warlock du coup. Bah... Si, non, si, parce qu'il y a dit... encore le préavis de 6 mois. Non, et puis même, elle le dit, elle dit, hein.
Moi, je resterai quand même dans le coin, pas pour le fait de faire le bien, mais juste pour m'amuser un peu. On peut lui parler? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, est-ce que tu vas faire le bon choix? Oh. Parler à Misora, du coup, c'est marrant. Bah, on t'écoute, fais ton choix. Attaque. Je bagarre. C'est vraiment ça. Il y a moyen de bagarrer, moi je dis ça comme ça. Hein. C'est marqué en bas à gauche, il y a marqué attaque. Hein. Ouais, ouais, bah de toute façon, n'importe qui, hein, tu peux lui mettre une patate dans la bouche si tu veux, mais bon. Ah, j'ai pas attaque moi. C'est l'attaque selon selon Atémir quoi, c'est juste C'est pas qu'il chante mais c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est très beau. Ouais, vas-y. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Petite vengeance. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what. When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Oh! Oh! Ugh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Ok, allez. Au dodo? C'est déjà fait, non? Ah non. Ah bah non, t'as pas récupéré tes PV. C'est vrai. Oh, vu qu'on s'est fait interrompre encore une fois par des gens qui voulaient pas nous laisser aller au dodo. Laissez-nous les dormir. Maintenant pour faire un dodo. Ah, c'est ça. Ah bah purée, allez, oh, faire partie pour un tour. Encore lui. Ah, je veux dormir moi, laissez-moi. Oh non, mais c'est encore lui là. On va aller voir le tentacule. Mais il faut la poêle. Faites votre choix. Oh, il est à l'aise lui. C'est ça les pieds d'un truc là. Ah, j'ai pas vu. Favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. My beloved confidant and loyal companion Rascal, the very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stillmane, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was
by working together, but few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you, your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Pour l'instant, ça parle, ça parle. Non, ça, ça blablate. Perhaps, at first, I did consider that you were just a problem. Oh là là, je sens que ça peut vite devenir une pente glissante, cette histoire. Exactement, moi je suis en train de tester, hein. Ça a l'air très drôle. Au secours. Oh non. Attention. Ah, moi je vais l'envoyer sur les roues, hein. J'ai pas envie de ça. Bah, en fait, j'ai bien envie de tester pour savoir ce qui se passe en mode est-ce que y a Berdasserie en mode je deviens un main player ou pas. Ça m'intrigue vachement. Moi je pense qu'une fois de plus, si je fais les choix les plus tentaculesques, je vais me faire démonétiser. Ah, c'est bon, moi j'ai fini ma part, comme ça je vais aller regarder comment ça se passe chez. Alors, comment ça se passe chez toi? Ah bah là. Oh, prenez sa tentacule dans votre main. Exactement. Oh non, 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 oui, ah oui, carrément. Ah oui, c'est. Wow. Je t'avoue, je suis partagé. Oh là là, ah voilà. Là, globalement, manifestement, je peux. On peut ken quoi. Alors, en anglais, tu as donc. Se pencher vers lui, prendre sa tentacule dans votre main, l'inviter à rentrer. Ah non, c'est en gros, c'est. Bah, invited in, je sais pas trop, hein, mais ça peut se traduire par. Bon, voilà quoi, c'est. En avant, Simon, c'est toi qui conduis, hein. Non? Attends, je vais la regarder parce que. Oh là là, allez, let's go! En plus, oh là là! Oh! Ah, bah ça va. Ah, d'accord, ouais, c'était ça. C'est... Ok, oui, tu vois, ça va. Ça sent l'arnaque, hein. Et believe me, it will radically increase our chances of success. Yamete-kudasai! Ah, bah là, tu vas être occupé, hein. De... Énorme. Ça fume. Bah là où il y a des petites dents là, à mon avis. Diagrams in a book you read long ago. The mind flayer's mouth is underneath the tentacle. T'imagines, t'aurais pas su. tu lui aurais embrassé le P2. Ah, c'est bon, c'est juste pour la science, c'est la science. Mais je t'avoue, j'ai juste envie de savoir c'est quoi, ça m'implique trop. C'est cette curiosité morbide qui fait... C'est malsaine, c'est pas morbide. Ouais. Bon bah, c'est parti. Bah, je crois que ça lui plaît, hein. C'est très efficace. Alors, peut-être que tu regardes Arda à démonétisation, hein. Ah, je regarde pas, hein. Ah oui, dis donc. Ah, enfin, là, c'est pas très privé, hein, parce que moi je suis au premier. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, c'est. Ah oui, ça. Ok, bon, allez, je vous laisse profiter. Hein. Ouais, ça, bon, allez, hop, zou. Excusez-moi, mais un peu de décence. Et continue, t'inquiète pas. Eh bah, mes aïeux. Oh là là. Oh, la chaudière. Oh, c'est horrible. Putain, tu le chauffes de fou pour le laisser sur sa béquille. Exactement. Oh, not cool, bro. Non, mais en fait, c'est plus... J'ai peur, parce qu'il m'a reparlé de me transformer en Manfire, là. Et si tu veux, j'ai peur que si je fasse ça, ça me transforme en... Ah, t'avais peur que si tu te faisais... Ouais. Mais je croyais que les Manflayers se reproduisaient par... Ah, bah là... Ça... Qu'ils avaient du coup pas de... Ça n'empêche pas qu'ils peuvent ressentir des choses. Ah, alors, manifestement, ces tentacules sont un peu. Érogènes, donc j'ai envie de dire. Il en a 4 le bougre, hein. On va faire les mathématiques, je pense que. Voilà. Manifestement, je faisais les trucs et ça lui plaisait en tout cas, ça. Oui, bon, allez, bon. La suite, hein. Allez, la bagarre. Allez, on retourne. Oh
là, quel enfer. On quitte le camp. Allez, bon. On laisse les tentacules érogènes bien loin. Avec et... Les popos, oui. Oui. Allez, si tu veux, je vais aller regarder à William's Rock. Non, c'est William Crossing. Ah, merde. Alors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? T'es où, là? T'es où? Attends, mais pourquoi moi je peux pas me TP? Vas-y, t'as ton rôle. Attends, moi j'essaie de me TP à un endroit et j'y arrive pas. Mais parce que je suis en marchandage. Et je pense que là où tu veux aller, c'est un autre acte, et donc du coup ça nous ferait... Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que dans la... Bah ouais, non, je sais pas, dommage. Je sais pas dans la ville où... Enfin, si on veut rester dans la même zone... Non, bah là j'étais en train... En fait, le gars qu'on vient de voir, là, le mec muet, mm-hmm. je suis allé voir son inventaire des fois que, mais... Non, je sais où il y a un mec qui vend des élixirs et tout, mais... L'inventaire, il change à chaque long repos. Oui, je sais. Et du coup, peut-être que lui, je me disais, tu vois, il n'y a rien de moyen. Je sais où aller pour... Du coup, j'y vais. Hein, de quoi tu parles? Là, regarde. Ah oui. Et un coffre. Attends, moi, je vais pas y aller parce que après, quand je vais redescendre, je vais me casser la gueule, ça va faire mal. J'avoue, il faudrait. Bon, il y a de l'or. On avance. Juste est-ce que vous je l'avez ramène mon élémentaire de feu tout de suite, comme ça ce serait fait. Je sais pas. Alors le pare-choc, qu'est-ce qu'il dit déjà? Pour gagner l'accès au temple de Baal, vous devez traverser le chasme, d'accord, du massacreur. Si alors jamais, on vient de rater 3 jets de perception. Si vous êtes faible comme l'aspirant de Farslayer, oh lolo. Ah ouais, vous avez déjà commencé. Ok. Ah oui, Nikatox, il a bien avancé, lui. Mais je pensais. Il attend pas que tu finisses de lire. Mais non, mais je me disais, il y avait des gens, donc j'allais en fufu. Alors, bah, c'est parti. Bah, bon chance à tous, hein. Ouais, c'est quoi ce truc-là? Non, mais là, il va... si on le laisse tout seul, il va crever, hein. Je sais même pas où ils sont. Après, si tu reviens et que tu retraverses la barrière, Katox. Mais moi, je suis déjà en combat aussi, hein. Moi je suis pas en combat. Ah ouais, non mais faut y aller. On y va ou on y va pas alors? Non mais juste, vous attendez deux secondes, on se prépare. Si vous... Comme on n'est pas en combat, on peut balancer. Enfin, moi j'ai pas pris d'élixir, j'ai pas. Enfin, genre. Ouais, c'est bon, j'ai pris mon élixir, je peux me battre. C'est juste que là il est en train de se faire. Attends, mais en fait, ils sont sur la corniche. Oui, parce que j'ai une armure. Putain, mais c'est fini! C'est quoi ces 4 pezouilles de sniper là, campeur de mes... On se croit à ce Call of Duty, vous êtes sûr, vous êtes pas trompé de jeu? On vient ou on vient pas alors? On attend? Ouais, c'est bon, j'arrive. On y va alors, c'est bon? Allez go. Il les a pas touchés je pense, hein. Bah normalement... Ah mais du coup on les voit pas, on peut pas rentrer en combat. Hein. On va se prendre des dégâts de partout là. Ah, yes, super, let's go. Putain. C'est quoi ce truc? C'est chiant parce qu'en fait on les voit pas avec leur truc là. C'est toi qui as balancé ça Mais là ils sont dans la fin d'Adar, hein. Ils sont dedans. Mais c'est toi qui l'as lancé la fin d'Adar? Ah, alors je oui, mais parce qu'ils sont invisibles de toute façon. Ah, okay. C'est pour ça que j'ai pensé à une zone. Je vous invite à regarder. Les personnages, il y en a un qui a un petit buff, ma foi, fort sympathique, pas piqué des hannetons. Donc le tueur lointain de Balgislev. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il dit? Il a peut-être un petit truc que... Sans rituel. Ouais, mais faut savoir où il est caché. Si on sait pas où il est caché... Lancer mode pouvoir mortel de Baal sortir de la porte. Ah, il est là-bas. Mais si, il est pas caché, lui. Ouais, c'est Power Word Kill. Ah, mais il est là! Donc, comment vous dire que. Ah, ouais, ah, mais on là, a. On a 4 tours pour le buter, sinon. Vous prononcez un mot de pouvoir qui oblige un ennemi ayant 100 points de vie ou moins à cesser de s'accrocher à sa pathétique existence et à mourir instantanément. C'est sympa. C'est pas mon tour de jouer, donc je peux rien faire. Hein. Ouais, bah, c'est.
Ça a été à mon tour, et puis c'était plus à mon tour. Attends, mais je sais ce que je vais faire. Je vais sortir les trucs que j'ai jamais utilisés depuis le début de la partie. Genre une petite flèche de TP. Exactement. Ça, je n'ai pas moi. Ah non, j'en ai pas si. Alors, on est un peu loin, mais normalement, ça va permettre de faire le taf. Est-ce que on peut tirer dans le tas? Pas trop. Après, tu peux aller là. Je peux aller où? C'est où là? J'ai deux ping là. Non, tu peux pas tirer une flèche ici. Je vois pas en fait. Là. Ah, là, pas bête. Target is too far. Ah. Mais, on doit pouvoir tirer deux flèches dans ce monde. Pas du tout, ça compte comme une vraie attaque. C'est chiant. Donc là, t'es sur le pont. Ouais, je peux continuer d'avancer. Écoute, j'en suis là. Tout prochain ici. Putain, par contre, il y en a des nouveaux, des mobs là. Ah ouais, légère. Putain, quel enfer. Attends, mais ils se vendent. Ah, ok, d'accord. Ah, on peut enfin rejouer un petit peu. Ah, bah voilà, ils sont là, les cocos. Possibilité de déplacement insuffisante. Je ne peux pas attaquer là-bas. Attends, T'as à faire ça. Attends, il est où le nain? Je suis juste à côté de toi, je suis un peu plus en bas dans les escaliers, mais j'ai envie de prendre. Attends. Je sais pas ce que tu vas faire donc. Bah, je peux te faire un Deliveroo si tu veux. Alors, oui, si tu me fais pas trop mal, je veux bien. Bah, tiens. Alors, moi, je l'ai fait, les dévastateurs là, je leur ai mis un petit. Petite tempête de grêle. Ah mais non, moi je croyais que c'était moi que t'allais délivrer où vers le méchant. Ah non, c'est beaucoup trop loin ça, et tu pèses trop lourd. Enfin, ah, vouloir. Tu peux aller là et tout jump là-bas. Mais je peux tester au prochain tour hein, si tu veux, mais. Bah attends, je vais buter celui qui est par terre. Voilà, ça c'est fait, bonjour. Et est-ce que je peux utiliser. Ah non, merde. Ah c'est con. Bah en gros, quand j'utilise une attaque, je peux en faire 3 parce que je suis fighter, mais pas d'affilée, c'est con. Enfin, c'est pas 3 actions, c'est une action qui se multiplie par 3, mais... Ah, c'est quoi ces 14 000 personnes qui se sont rajoutées, là? Est-ce que je peux faire ça? C'est de l'XP. Pense aux 600 que t'as pas eu tout à l'heure. Bonjour. Donc tu m'as laissé avec un ennemi à côté de moi, c'est ça? Mais là, tu veux que je fasse quoi? Si tu veux, je tape sur tous les mobs qu'il y a, hein, y a pas de problème, mais sachant qu'il y a un. Ah, il est mort, c'est parfait. Ah, celui qui m'a délivré, oui, oui, je l'ai tué avant de partir. Moi, je vais me TP en haut, je pense. J'espère que je peux. Non, je sais bien, je me sens pas du tout en danger là où je me suis mis. Ouais, je suis pas à côté d'un gros gouffre. Ouais, c'est exactement ce que je me dis. C'est tout va bien se passer. Ah mais non, je peux pas, vu que j'ai mon armure qui empêche d'être bougé contre ma volonté. Ah toi aussi, ah ouais, c'est vrai que j'ai ça avec les potes là, du coup ça fait... Eh bah allez viens, on fait un coup. Est-ce qu'il... Enfin non. Ah mais c'est un moine, je le reconnais. Je reconnais le... C'est tellement le stand de tir quoi. Bah je crois que toi c'est... Voilà, tu es le ball trap. Oh là là, ça va? Ouais. Ouais, plus de 30 PV hein. Bon ça va, eux ils sont trop loin pour me tirer dessus. Non. Oh non, les suivants ils peuvent potentiellement me taper encore. Ah bah ouais, ils vont me tirer dessus les connards là. Oh, vas-y. Alors prends-toi ça. Oh. Il est pour toi celui-ci.
C'est quoi ça là, c'est... Ouais bon, je m'en fous. Aïe. Ok. Oh attends. Il est où Jackie la frite là? Il est tout en haut. Ouais 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 bah... Allez, vraiment, ciao les nazes. Qu'est-ce qui se passe si je le pousse? On n'a pas le loot. Ouais, on va pas le loot. Est-ce que tu pourras le loot? Parce que là, il est quand même dans une... Je sais plus si on peut le loot ou pas celui-là. Il a l'air inarrêtable. Après, il a 5 instoppables, hein, donc va falloir lui taper 5 fois dessus avant de pouvoir commencer à attaquer ses PV. Ah bah oui, il y a ça aussi. Toi aussi, tu trouves qu'il y a ça aussi? Oui, 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 je veux... Mais vas-y, vas-y, stable. Je vais faire ça aussi, je pense, je vais la consommer et... C'est vrai que, heureusement, tu peux ne pas être bougé contre ta volonté, mais sinon je serais vraiment en panique à ta place. Ah bah parfait. Ah bah, c'est vrai que c'est plus simple, du coup. Oui, alors, y a nous deux qui sommes à côté. Non mais par contre c'est bon au bout d'un moment là. Ah ils sont c'est chiants ceux de là. Tu tankes vachement bien. Ouais toi aussi tu trouves. Oh non en plus. Oh là là. Ah bah salut ciao hein. Alors là je viens te sauver ou... Tu peux pas me heal? Ah non tu me vois pas. Alors attends, ah si peut-être. Alors que peut-être. Alors peut-être l'amulette. Alors on l'a vu bloquer. Bah après tu peux prendre ouais je sais pas. Bon allez, c'est le moment de claquer la popo de vitesse. Non, c'est pas ça. Oui si. Elle est où? Là, on joue. Oh en plus j'ai ça, attends. Shoot. Ouais super. Je sais c'est toucher grave, personne. Attends, j'arrive pas à monter la caméra. Clique sur mon perso. Aïe. C'est juste rien faire, ils sont tous hors de portée. Oh putain! Je suis immobilisé. Ah, il est sentinelle à tous les coups. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, même lui, je sais pas le faire quoi. Super, alors attends, est-ce que je pourrais pas tirer une flèche à côté de toi? Alors que j'aurais pu juste Dimension Door en fait depuis le début. Tout me faire chier aller sur le pont. Là. Coucou! Le clutch gaming! Alors attends, est-ce que maintenant je peux jeter une potion? Bah, après, dans deux tours on est mort, donc bon, finalement. Oui, mais si tu pouvais être vivant. Attends. Si tu pouvais être vivant pour mourir, ce serait sympa. Hop. Bonjour, attends. Incroyable! Coucou! Du coup, j'ai qu'une bonus, j'ai qu'une action bonus. Oui, et moi je ne peux plus bouger parce que je suis. Voilà! C'était super, je suis content d'être venu te sauver. Coucou, ça va toi? Écoute, je suis moins mort. Ouais, c'est. Toutes ces actions là que je ne peux pas faire. Toi aussi. Ah ouais, là je suis. J'ai utilisé une potion de hâte pour venir te sauver. J'aurais dû regarder que l'autre il était. C'est vrai que t'as dit les moines et moi je me suis dit bah vas-y, let's go, je m'en vais. Non, c'est. En plus, c'est même pas. Oh bah, Arda, t'es volé hein. C'est pas le meilleur endroit ça. Hein. On va le. Il va être push. T'aurais pas un petit truc là pour aller pousser dans le vide? Non. Non. T'as pas un truc d'ultra bagarre T'as pas un Nimpo, invocation, trou noir ou t'as pas, non? Je t'avais pas filé les pare-chauds de chaîne d'éclair. Chaîne d'éclair. Utiliser un pare-chaud à la place d'un. Ouais. Oh ça c'est triste. Oui. Oh,
c'est vrai qu'ils sont tous instoppables et tout. Putain, faut... Ah ouais, ouais, non, mais là je pense que c'est... ça va être une fin de tournage, hein, parce que... Mais non, mais non. Alors, comment te dire que... Comme dans le médecin, au pire, tu meurs. On est tous les deux haste et on a 40 milliards d'actions, donc potentiellement... Ah non, moi, je suis plus haste, tu meurs. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, lui aussi, regarde. Oh, mais merde, alors. Tout va bien. Tout va bien. Ah, attention, c'est le tour d'Arda. Vive le Arcane War. Moi, j'aime bien hein, d'avoir le rôle de tank qui, en fait, être le seul à pas me faire taper dessus. Buzz. Oh bah, tiens, si jamais toi, t'es... je crois qu'il veut être sûr que t'es mort. Hein. Ah. Ah. Oh là là. Putain, mais en fait, c'est Arda, notre tank. Et moi, je veux bien tanker, mais ils veulent pas me taper dessus. Ah, mais Arda, il a perdu que 11 PV depuis tout à l'heure. Ah, pardon. J'ai rien dit à Miss. Alors Ah le pont c'est un mauvais moment à passer hein. Ah, ah, ah ah. Est-ce que ça recommencerait pas à ce combat là? RIP que... Moi je voudrais voir comment le nain va mourir. Hein? Pourquoi? Parce que c'est drôle. Non, en plus, regarde, après, je suis... Non mais moi j'ai encore... J'ai plus de je suis dans une nuée de... Je suis dans une nuée de dagues en plus, quoi. Les son salauds. Mode pouvoir, son mode pouvoir, il va le faire sur vous, mais pas sur moi. Hein. Moi, je m'en fous, j'ai plus de 100 PV. Attends, il faut que pendant deux tours, tu prennes pas de dégâts. Hein. Ah bah, je peux rester caché comme une grosse... C'est le temps qu'il est caché derrière un caillou, il fait... Allez-y les mecs, je vous protège. Allez, ciao hein. Moi, perso, je suis invisible. Je sais pas vous, mais je ne suis plus là. Bon, je peux recharger, hein. Je recharge. Mais non. Oh, ah bon. Ok. Oui, non, peut-être, je sais pas, moi. Ah ouais, ça... Faut savoir ce que tu veux, gars. Bah, j'ai pas demandé à ce qu'on recharge la save, hein. J'ai juste dit que ça allait être très très compliqué, mais si vous voulez recharger, on recharge. Katox a dit on recharge, t'as dit bah non. Alors que les gens ont dit oui. Moi, je sais pas. Allez-y, rechargez. Si le vote démocratique veut recharger, on recharge. Ah non, mais genre, Arda est mort. Enfin, bon, bah alors je vais mourir avec classe. Vas-y, gagne, en fait, meurs avec classe. Ya yeah. Hein, quoi? Il va sauter sur le pont, il va mourir. Mais j'ai voulu sauter sur le pont, mais je sais pas, chaque fois que je veux sauter, ça me... Bah voilà, je suis à côté d'un... Super, vas-y, recharge. Je ne mourrai pas avec Panache. Allô? Oui, quoi? Vas-y, recharge. Ah, j'attendais que tu meurs avec panache. Mais non, parce que je sais pas. Écoutez. Quand je saute, je me prends des éléments de décor. La dernière fois, quand j'ai voulu sauter, je me suis réché le genou contre une balustrade et je me suis cassé la gueule en bas du bâtiment et je suis dans mort. Dans tous les cas, tu meurs. Qu'est-ce que ça ouais. change là. Bon. Ouais. C'est ça. C'est en fait, là, est-ce que c'était plus que 5 tours parce que ça faisait une éternité que 14 était en combat? Non, il reste encore 2 tours. Non, c'était vraiment... Je crois que t'as 5 tours. Oh, t'as 5 tours pour lui barave la gueule. Ah ouais, mais c'est un enfer. C'est un enfer, ce passage-là. T'as vu le nombre de personnes? Ce passage-là, en mode honneur, il doit être horrible. Vous avez prévenu que le long repos pouvait être une bonne idée, hein, donc... Ah, mais ce... On a dormi, déjà. Ah, mais attends, vous comprenez mieux pourquoi Non, mais attends, parce que déjà du coup, jusqu'à vous, ça me casse les couilles de pas avoir des litières. Hein. Ah, mais c'est vrai que j'ai bleu. Bah, si tu veux, je te dis, moi je sais où aller, aller en acheter. Non, mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Je regarde, mais j'ai pas de truc dans le genre. Oh, j'ai ça. Oh. Donc. Ah, pour le fight, je sais pas si je garde la lunette pour vous. Ouais, si je vais garder la lunette pour vous soigner. J'en ai un autre qui rendait vulnérable aux attaques. Maintenant, vraiment du doute des gens à ton avis. Bah, la thune, c'est toujours bien. Vous êtes déjà de nouveau. Enfin, vous êtes sorti du camp, pardon? Moi. Pardon, toi, pour moi, j'étais encore. Je suis prêt. Ah, j'ai regardé ce que j'avais dans mes sacs pour potentiellement vous filer un coup de main. J'ai refait mes buffs et j'ai même invoqué Pépette. Ah oui, j'ai vu que on était on avait une pom-pom girl avec nous. Allez, moi je me suis pris un petit plus 5 à l'initiative. Je vais tenter un truc pour le combat. Ah ouais, de pas être surpris, ça c'est vrai que c'est pas con comme idée.
moi je pense que je vais... Je sais pas si je claque le pare-chaud de vol ou si je claque le pare-chaud de je sais plus quoi. De blur. La réflexion est intense. Alors, moi je suis prêt, j'attends que on ait commencé la bagarre pour... Non, j'arrive. Oh mais oui, il y a ça aussi. Après, j'ai une potion de bon glorieux si on veut directement aller choper les trois petits... Ah non, mais ça c'est... Trois... Je vais... Ah, t'as pas tes portes de masse? Ah là, je suis pas du tout au bon endroit. De masse? Par chemin de porte dimensionnelle. Ouais, c'est ça, en fait. Ça c'est toi et une personne. Ouais. Tiens, je peux... En vrai, ça pourrait être... Hein, quoi? Pourquoi tu m'as filé un élémentaire? Ben, un parchemin d'invocation élémentaire, ça si tu veux rajouter un sac de PV à côté de toi. Oh. J'ai deux parchemins de porte dimensionnelle. Est-ce que j'en passe un à l'un de vous deux? Comme ça, on se TP chacun à un point de... De stratégie. Ouais. Moi j'en ai déjà. Bah si y'a que ça je reste Moi j'ai juste forme gazeuse, c'est tout quoi. Alors ce qu'on peut faire c'est que moi je téléporte le nain et Atemir tu téléportes Katox. On peut faire ça. Oh la frappe aéroportée quoi, trop bien. Mais ça coûte On passe d'aventurier à des US Marines. D'ailleurs ça serait peut-être mieux que, j'hésite parce qu'en vrai, si c'est l'un de vous deux qui téléportait les deux autres, est-ce qu'on risque pas de perdre une option d'attaque sur le gros truc là? Moi, ce que je peux faire, c'est que vu qu'on a des popos de hâte avec si y a que ça, je peux même filer des popos de hâte à quelqu'un. J'en ai plusieurs dans mes sacs, donc si vous en avez pas. Moi, j'ai pas de potion. L'avantage de la potion, c'est. Oui, mais t'as l'arc toi. Ouais, mais c'est concentration l'arc alors que la potion non. Ok, je t'ai fini une potion de... Non, après j'en ai peut-être une de potion, je suis en train de... Ouais, je sais pas, quand si tu les avais bu comme des petits pains au début de l'aventure. Tiens, hop, je t'en envoie une, j'en envoie une à chacun d'entre vous, comme ça au moins. Après, ça veut dire que dans 3 tours, on est stun, hein. C'est pas si fou que ça, en vrai. Oui, mais là, sachant qu'on a 5 tours pour lui marave la gueule, peut-être qu'il vaut mieux qu'on soit stun, je sais pas. Bah, c'est pas mon petit... Envoyer une potion à... Stun, c'est juste, on peut rien faire, donc... Hop, Arda. Okay. Tout le monde a une popo là normalement de hâte. Oui. Oui. De vitesse tu veux dire. Non de hâte. Ah oui de vitesse mais c'est la ça te file hâte. Oui ça mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ou pas? Oui. Alors ce que je vous propose c'est juste on va boire des potions avant de commencer le fight et avant de passer en. Mais on se met en mode tour par tour dans ce cas-là. Non justement non. Parce que sinon ça te nique ton action bonus quand tu passes en tour par tour. Alors moi la popo de hâte je la boirai au tour d'après, hein. Je vais pas mentir que justement si on se stun tous en même temps ça va être peut-être justement très très chaud. Mais c'est plus moi je voudrais mettre un poison sur mon arme et du coup tout ça il faut que je boive une autre potion donc je peux le faire avant quoi. Mais d'empoisonner ton arme en fonction des... Ah oui c'est 10 tours. T'as des poisons qui durent 10 tours, d'autres qui sont à durée indéterminée. Ouais mais là moi c'est 10 tours et autant te dire que le poisson. Je vais mettre du poisson sur mon arbre. Je vais utiliser, il est pas dégueulasse. Vous êtes prêts? Oui. Je te propose à la limite Katox de sauvegarder maintenant. Si jamais ça se passe mal au moins on se prend à pied. Et on y va. Let's go. Tu me suis bien Menmir. Attends, je te suis à fond là, je suis juste. Ouais, je suis juste à côté de toi. Putain, trop bien. Oh là là. Ouais. Attends, j'arrive. Alors déjà, je vais regarder jusqu'où je peux me TP avec la porte dimensionnelle. Après, vas-y, s'il y a que ça, moi j'ai une flèche de téléportation, donc je pourrais toujours... Mais je comprends pas, putain. Tout à l'heure, on était vachement plus loin. On était et sur la... sur la petite corniche qui était là, on est pas loin de... Tu vois, juste là. Si, mais je pense que de toute façon, au pire,
si je peux pas nous TP sur lui, je nous TPerai sur les trois pélos là. Ouais, après, il y a ici, hein, vous pouvez vous TP. C'est quoi? Je vais commencer par mettre un petit coup d'image miroir pour le premier tour. De toute façon, avance-toi, hein, j'ai une vitesse de déplacement plus importante que toi donc. Et je vais me mettre jusqu'ici. Hop là, fin de tour. Donc vous pouvez pas vous TP là-haut sur la corniche, vous deux? Je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas pu. D'accord. Ah mais en plus on est surpris tous les trois. Ah donc ce sera même pas à ce tour-là qu'on va pouvoir se TP, Arda. Alors si tu veux y aller tout seul, tu peux y aller, c'est ce que je te dis. Sinon... Là on va enfin pouvoir jouer. Embarquer l'un de vous deux là. Bah embarque Katox parce que moi j'ai la porte dimensionnelle pour embarquer quelqu'un donc. Ouais bah si y'a que ça je tracerai, j'irai me mettre à côté de Arda et de Atemir et... Port dimensionnel c'est ici... Hop. Choisir la cible à téléporter, Katox. Cible est bloquée, espace insuffisant, choix de destination, espace insuffisant. Essaye de te mettre là. Je peux pas trop loin. T'as ici sinon. Là devrait être moyen. Insuffisant. Je préfère nous mettre en haut. Mais c'est là où il y a les gens invisibles. Bah, tu peux te foutre par là, hein. Par là il y a de la place. Hein. Ouais. Après, si vous vous collez au mur, il peut pas vous jeter dans le vide normalement. Ouais. Ah. C'est vrai que tu vois les invisibles toi. Ouais, enfin en tout cas j'en ai vu un, normalement il y en a trois, mais bon. Faudrait un petit Thunder Wave quoi. T'as des deux qui va te pousser dans le vide. Non mais l'avantage c'est que si vous êtes à côté d'eux, c'est vous qui devrez prendre des coups. Est-ce que oh l'espace est insuffisant mais Attendez, bougez pas. ça sent la bonne idée là. Oh non, espace insuffisant, j'aurais pu mettre juste au-dessus du mec, pylône. Mais ça me dit qu'il n'y a pas l'espace. Oh, tu peux aller là normalement. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Allez, moi là je suis bien là. Bah oui, mais je réfléchis si je le fais ou pas. Il a fait un 20. Non mais Dice Roll 10, c'est bon. Hein? Mais c'était pas un critique, c'était juste un... Ah d'accord, mais... c'était un dirty. Va se calmer l'enfant là. Je vais lui faire 50 de dommages quoi, c'est incroyable. Bah oui mais ça c'est l'armure machin. Mais faut qu'il me tape au corps à corps pour que ça soit efficace. Mais zutez-vous avec vos flèches de mort là. Le TP tu peux marcher encore après Ah bon, merci. Attends, est-ce que je peux aller... Putain. Alors... Tu peux venir jusque moi ou pas? Ouais c'est bon, je suis là. Salut. Target canot bimouille va force. Ah putain, mon armure attend. Tu vas pas l'enlever. Non mais normalement je peux retirer le truc qui dit si je veux être toggle, enfin si je... Ah bah non je peux pas. Eh ben super. Eh ben bah bisous hein mec, à la voyure. Allez hein, ciao hein. Ouais ciao, j'étais content de te voir. Ciao. Est-ce que tu veux pas emmener la momie avec toi? Putain, je suis dégoûté. Comme je le pense, la momie j'en ai rien à voir. Je sais où ils sont. Ah mais attends, mais si la Reaper régit ici, normalement je peux la retirer. Allez, ciao. Ouais, super. Ça a pas marché. Mais normalement... Bah,
Il a pas tiré ce con. Ah mais ça me fait chier dans les passifs, normalement je peux me... Hey Jackie. Ah c'est là. Viens prendre un café là. Ouais ouais, initiative de 1, j'en ai rien à foutre de toi là. Pourquoi je peux pas taper? Mais... C'est quoi ce merdier là? Voilà, allez. Allez hein. Va bien nous casse plus les couilles avec ton spell de merde là. C'est fini là. C'est fini, c'est plus maintenant qu'on casse hein. Voilà, allez. Allez, ciao. Et ciao ciao. Je sais pas vous mais il a arrêté de casser hein. T'inquiète, j'avais dit qu'il serait bien ce poison. Il est bien ce poison. Il m'en reste encore deux des poisons comme ça, je veux vous dire que c'est le poison clutch. Bon bah je sais pas, normalement je peux retirer le fait de me faire déplacer ou pas, c'est super, j'y arrive pas. Go hein. Si tu veux des flèches de TP ou t'en as? Ah ouais non c'est vrai que j'en ai. J'en ai une, t'as raison. Après bois ta potion avant comme ça tu peux quand même attaquer derrière. C'est pas con. Ah bah non je peux pas parce que j'ai utilisé mon action bonus donc là je suis baisé. Ouais j'ai sauté pour je peux tirer où? Comment ça noter 9 movement? Parce que le mur il te gêne. Putain. Ouais, super. Bon après t'es le tank hein. Ouais. C'est ça qui je pense sert. Que ça va peut-être lui être le problème ou elle. C'est pas Frenzy. C'est un rage. C'est un barbare. Ah. Ouais. Wow. Ah d'accord, c'était pas moi, j'ai eu peur. Bah heureusement qu'elle était là pour prendre des baffes hein. T'arrives à faire quelque chose là avec le gars en bas ou pas? Deux secondes, je vais essayer de voir si je peux pas invoquer un gars d'en plus pour nous histoire de mettre des bonnes grosses bafounettes. Moi je suis... c'est parce qu'il faudrait réussir à lui faire des dommages. T'as pas un magic missile? Ça serait super clutch. Parce que du coup normalement c'est plusieurs dommages. Bah je sais pas si ça compte comme... Si ça compte comme 4 missiles, donc 4 fois des dommages, tu lui enlèves tout le unstoppable. Et ça... Alors visiblement... Ouais... Il serait peut-être un peu loin. Ah! Effectivement. C'est une option. Oh let's mais... go! Mais pourquoi est-ce que c'est pas le magic missile qui est parti? Je l'avais sélectionné, j'étais en train de cliquer dessus. Normal. Moi ouais, c'est bon, j'ai réussi à retirer. Je peux de nouveau retirer le déplacement. Detox, tu prends trop cher. Bah oui, mais qu'est-ce que c'est cette caisse? Je vais encore mourir hein, là. Regarde, il te balance des 2x26 à la gueule partout. Est-ce que tu veux faire qu'est? Pourtant, j'ai remis mon armure d'Agathis et tout. Hein. Il voulait jump mais il s'est rendu compte qu'il pouvait pas se déplacer, c'est dommage. Bon. Écoutez. Est-ce qu'on sauve le... Est-ce que j'essaie de sauver le soldat Katox ou je viens taper sur le... Ah bon. Alors, on va faire ça déjà. Il vaut mieux taper sur l'autre. Oh non mais vas-y hein. Gajo là. Voilà, sois sympa avec moi. Toi, unstoppable. Ça c'est fait. T'as fait deux critiques? Ouais mais t'inquiète, je fais que des critiques là. Pourquoi? T'inquiète pas, va. Parce que il a du poison. T'inquiète pas va. Le bon poison il est OP. C'est un poison où en gros il est paralysé donc à partir de là. Ah ouais. Et t'as réussi à ce qu'il le prenne, et eh ben putain. Ah bah c'est simple, c'est si je le touche. Je lui fais peut-être qu'un dommage mais je l'ai empoisonné. Mais normalement il doit faire un jet de sauvegarde. Ouais mais c'est une sauvegarde de constite et bon il a pas beaucoup de constite le gars. Putain. Une fois qu'il réfléchit avant d'agir. Attendez, j'ai... Oh putain hein, oh putain. Ils sont quelques-uns. C'est... Ils sont quelques-uns, c'est con là. Bah ça va, ils m'ont pas tapé encore. Ah ils ont foncé, ils pouvaient pas hein.
Ils ont des PV ou pas? Ah mais ils ont 2 PV et demi. Mais c'est incroyable. Et 36, oui. Incroyable, ils sont nuls. Ah oui, c'est... mais ils sont beaucoup. Bah c'est plus le gars à 107 PV qui me fait chier plus que les autres, hein, je t'avoue. J'aurais dû le taper le gars à 107 PV, je suis trop bête. Oui. Il aurait pas pu jouer. Putain, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Tu vois, j'y réfléchis, mais pas suffisamment. Hein. Ah mais t'as commencé quelque chose, c'est déjà bien. Oh le petit step. Attention. Le nain. Oh. Oh la charge. Non, j'ai... Ah, saved. Il veut pas, hein. Le pauvre gars, quoi. Putain, il lui reste 4 PV, c'est dommage. Il s'est fait enchaîner. Oh, mais vas-y, mais ils sont combien dans ce bâtiment là? C'est dommage, j'aurais pu lui mettre en plus la potion de hâte. Ah, tu l'as pas bu, bah ouais. Ah, ouais, t'as mis 6 steps. Ouais, ouais. Ça va, sur tous ses coups, il m'a touché qu'une fois. Eh, t'as pas une petite boule de feu là? Mais non, faut que je soigne 14. Ah, mais t'as raison. Oui, c'est mieux. Eh, il a réussi, t'as réussi à soigner 14. Eh, c'est bien la première fois. Hein. Oh, il est trop loin, putain. Non, si, ça va le faire. De toute façon, tu vas me balancer la potion, ils vont me... avoir le tour des 4, des 3 pélos là-dessus, je vais me faire... je vais me faire mitrailler la gueule. Après, ça t'évite de toi de faire mitrailler la gueule, donc au bout d'un moment... Je tanque. Oui, mais moi, ça m'empêche aussi de caster des sorts qui pourraient t'aider, tu vois. Après, le jeter la potion, c'était une action, donc tu peux boire la potion de hâte pour balancer un sort. C'est vrai que si t'as une potion de hâte, Arda... Tout le monde en avait une au début du combat. Ça te fait... Là, du coup, t'as une nouvelle action, et pour peu que t'aies une petite boule de feu à lancer sur les mobs à côté de Katox, c'est de la OE... J'hésite entre ça et justement mon élémentaire. Parce que la boule de feu... il pourrait prendre des coups. L'élémentaire, peut-être qu'il prend des coups. Ouais, l'élémentaire il prend des coups, et le problème c'est que la boule de feu elle a pas une grosse portée, donc s'ils sont pas exactement paquets là où je vais tirer. La glyphe, elle est super large. La glyphe ou le truc de grêle aussi, le truc de grêle ça avait l'air de faire pas mal d'avoir. Ouais, le truc de grêle, par contre je suis trop loin, c'est ça le problème, c'est que je suis trop loin. Ah, ça c'est même pour l'élème ? Non, pour l'élémentaire j'aurais la portée. Mais... Bah tu vois, je pense que ça, si on n'avait pas été en tacticien, bah ça se serait pas passé comme ça. Ah bah ça c'est un peu le but de passer en tacticien, c'est non, que le truc c'est... Non mais du coup je suis bien content qu'on ait fait ça, tu vois, au moins on galère un peu là. Enfin tout bien tout honneur là. Y'a pas la place. C'est vrai? Vas-y. Si. Oh let's go. Ah mais on avait plus le dérape. Fire Myrmidon, mais c'est un nouveau que t'as invoqué? Ça c'est un niveau 6, hein, je suis pas allé de main morte. Alors que d'habitude c'est un level combien que t'invoques? 5. Putain, Fire Myrmidon. Il a l'air sympa. Éthéré, Elish Review. Ah, celui qui est des... Oh, level 6. Des level 6, des LM, moi mon préféré je pense. Allez. C'est celui d'Air. Celui d'Air il fait des trucs de fou. Et ouais. Je remeurs dans 2 secondes. Ouais, il balance de l'électricité. Voilà. Il silence des zones, enfin niveau contrôle il est vraiment cool. Ouais mais maintenant je vais pouvoir faire des dégâts quand même. Ah bah l'autre il fait des dégâts aussi hein, le Myrmidon de... Non mais je veux dire Katox est mort. Mais je vais pouvoir lui rebalancer une popo tout à l'heure. Et tu peux même lui en lancer deux. Oui. Alors je re-réussis mon sauveur. Lui il est gratuit hein, je crois. Ah putain t'as pas l'élixir, fais chier. Ouais malheureusement j'ai pas l'élixir mais bon c'est pas grave, il est mort quand même. Non, non plus. Attends. Attends, mais le truc de balle, il est pas mort, je le vois à 10 PV. Non, mais bah, enfin, c'est bon. Regarde. Ah. C'est bon, il est mort. Attends, désintégrer. Comment ça, désintégrer? Oh là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, regarde, je sais pas, il s'est transformé en un petit tas de cendres, le Kiki.
transformation en ta cendre. Lequel? Bah le First Slayer. Ouais mais c'est pas grave, ça se loot. Putain, putain, First Slayer, ils ont traduit ça comment? Tueur lointain. Ah d'accord, super, oui. Ouais, là, c'est moi, je pensais que c'était un terme spécifique qui voulait dire autre chose que ça, mais... Super. Ah, mais ils sont partis. Bah, incroyable. Et attends, j'en vois encore 3 dans le temps d'order, là. Oui, mais parce qu'ils doivent être avant nous. C'est à toi de jouer. Oui, mais j'aimerais bien savoir où ils sont pour savoir où est-ce que je dois aller faire la bagarre. Ils sont dans le bâtiment, ils sont... Faut que tu rentres et que tu prennes l'escalier par là. Lolo. Jamais je l'ai... Attends, c'est quoi ça? Ouais, là je vais faire un truc. Non mais putain de merde, ah, ça me saoule. Ah, c'était incroyable. Mais putain, je vise une zone, pourquoi ça fait ça? Je me rèche les murs comme une grosse... Oh, ça me gonfle. Eh bah super, bah let's go. Allez, ça pourrit mon tour, eh bah ouais, trop bien. Ah, je m'abuse comme un petit fou. Ah, il se casse aussi, let's go. Et au moins, toi, tu peux jouer. Hein. Ah oui, 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 je cours dans tous les sens comme un teuteux, là. Impression d'être un chien, tu sais, derrière une balle, mais... Ouais. Hein? Bah, c'est hard à jouer. Ah, d'accord, ok, j'étais en train de... Y'a plus personne, ici. Bah, ici, ils sont... Bah si, il reste les trois pélos qui arrêtent pas de me défoncer en chaîne. Il a pas eu ah bah... Ah c'est dommage, on aurait pu tous les tuer. Je sais pas où ils sont. Bah... Oui, c'est bien ça le problème que j'ai depuis le début. Ah bon. T'as pas eu d'AO avec? Bah... Manifestement, ça l'a touché. Ouais. Surtout qu'il y en a un, il lui reste vraiment pas grand chose. Hein. Super, je vais pouvoir remourir. C'est ça, t'es... Bah alors, ils vont se barrer. Tu vas voir que ça va bugger, ils vont quand même flinguer le cul avant de se barrer. Ouais, j'imagine bien, ce serait quand même... Juste... Alors avant de partir, on va juste lui recasser la gueule, s'il vous plaît. Et ça, c'est deux trop petits shots, là. Ah, je peux jouer, mais tout le monde a disparu, donc c'est bien. Putain, le First Slayer en bas, il avait... Ah ah ah! Il avait rien, quoi. Ah super! Il y avait une lance. Il y avait 3 couteaux. Globalement, j'ai tanké mieux que le tank. Hein. Bah ouais, mais en même temps, j'avais un passif qui en fait ne se met pas dans la ligne passif, mais dans les communs. Et ça c'est vachement bien, parce que j'essayais de mettre l'armure dedans, et mon passif, je sais pas pourquoi, je peux pas le mettre dans la ligne des passifs. Logique. Donc le passif n'est pas passif. Ah ça y est, si c'est bon, ok, d'accord, faut retirer l'armure et la remettre, c'est... Oh c'est pratique. Hein. Voilà, bah la prochaine fois, je serai prêt. Bah c'était bien comme combat. Ouais, ouais c'était super. Hein. Ah, je peux t'assurer que le sol il goûte bon. Ouais. Oh, j'adore la stratégie qui s'est effondrée, mais au bout de 30 secondes, c'était trop stylé. Mais non, elle s'est effondrée à partir du moment où t'as eu 5 secondes de retard et que t'as pas de part. Bah ouais, mais c'est ça, mais le truc surpris et autre, ce que je dis, c'est que tout à l'heure, regarde, on a entamé le combat et c'était beaucoup plus loin que là où on était, donc quand vous avez avancé, je pensais que j'avais au moins le temps de pouvoir fermer mon sac et de venir. J'ai trouvé un coffre, mais il y a peut-être un piège. Comment? Bah, il est devenu vide le coffre. Genre j'ai fait un jet de perception raté là. Là j'ai Strangle Death Manifesto. C'est ça le jet qu'il y avait. Ok, alors si tu peux juste
je peux pas le looter. Tu attends, je te le prends. Merci. Oh, des composants. Cool ça. Y'a pas un truc de Warg par hasard? Je pense pas, non. Alors, cette lettre tachée de sueur semble inachevée, peut-être n'a-t-elle jamais été envoyée. Ouais, donc c'est juste des gens qui s'écrivent. Pas particulièrement pertinent. Ah, j'ai trouvé la suite. Oh, oui. Ça... Moi, je trouve les salles de détente du temple de Baal et bon. Ouais. C'est pas ma tasse de thé. On va pas se mentir que ce ne sont pas le genre de pratiques que je... j'affectionne. Oh, moi, c'est ce que je fais quand je me détends entre deux cours. Ah bah dis donc, sympa la salle. Hein. Ah, ouais. Bah, tiens, c'est avec tes amis. Oh. Ouais. J'ai un petit pare-choc confus. Tiens. Hein quoi? Pourquoi j'aillera? Ah ouais, attends, maintenant il y a tous les persos, j'avais oublié. Mais c'était quoi le coffre que t'arrivais pas à ouvrir là? Depuis vous l'avez ouvert ou pas? Non, en fait, je l'avais vu, il était jaune et en fait je suis arrivé devant, il était gris ouvert. Donc je l'ai pas cliqué dessus. T'as loot là où on est ou pas? Atemia. Moi je vous laisse faire. Je suis devant la suite, j'attends. Il y avait un coffre. C'est important, je récupère des sandales et des chiffons. Attends, t'es devant la suite, mais t'es où? Bah, y avait une porte juste à côté des coffres. Là où t'étais, il y a genre 30 secondes. T'as une toute petite porte qui ressemble à rien et qui t'ouvre vraiment genre la méga suite. Tu te dis, ouais, ça va être un placard balai, et puis tu fais, ah non. Non, il est assez sans... T'as vu, il est... C'est un grand placard balai, quoi. Ah, j'avais même pas fait attention. Et... Ah, ah non, il est pas coupé en deux. T'es passé à côté d'une soupe de pois cassé. Mon dieu. Toi, t'as pas looté le cadavre pendu où il y avait rien? Ah non, parce que j'étais trop petit, je pouvais pas y accéder. Ah non, je parlais à Katox. Mais là, il y avait un coffre, il y avait un topaz et de l'argent. Il y a une grosse statue avec une tête de mort qui vient d'apparaître devant moi. Est-ce que tu penses que c'est inquiétant? Bon, je me dis... Je vais peut-être me soigner en fait. J'invite tous les gens qui en ont besoin à se soigner, oui, s'il vous plaît. Je m'en fous, je me fais de toute façon défoncer. J'ai pas besoin de lancer des potions pendant le combat et que je puisse faire des trucs utiles. Ah, mais en bas, c'est une mare de sang là, c'est quoi là? C'est dingue. Après, la waifu Mind Flayer. Ah, c'est un épisode un peu. Il y a un peu de gore, quoi. Non, mais c'est. Gore. D'ailleurs, en parlant d'un épisode, on s'arrêterait peut-être là. Oui, effectivement. N'est-ce pas? On va s'arrêter sur cette mare de sang. C'est ça. Puis on vous dit à très bientôt pour la suite. Si la partie vous plaît. Des bisous. Des bisous.